Unissons-nous, fils et filles d'Akpakpa Cotonou. Restons un. Dans le cadre de la première édition de Akpakpa Cotonou Kwe, qui aura lieu du 16 au 18 février 2024 au terrain de sport de Midombo, notre équipe de rédaction s'est approchée du président François Fadonoubo qui nous donne des précisions sur la première édition de la fête Akpakpa Cotonou Kwe. Actu 24 Africa, reportage. Je suis le président administrateur de la fête dénommée JL Akpakpa Cotonou Kwe. Akpakpa Cotonou Kwe, je ne veux pas dire que c'est une fête communautaire, mais je ne peux pas même en même temps dire que c'est une fête communautaire. Donc oui, on peut dire que c'est une fête communautaire parce que quand tu parles de Akpakpa Cotonou, et Akpakpa est dans Cotonou. Et tu sais que Cotonou regroupe presque toutes les communautés du Bénin. Pour ne pas citer Ogbomtom, Wemenu, Tonfe, Setora, l'homme, même puis c'est tout le monde qui est à Cotonou. Bon, cet événement aura lieu ça va commencer le vendredi 16 février et ça va finir le 18 février. Et pour le 16 février, on a des artistes comme Togwe, Azéton, les artistes comme Bézé Zegezoubou. Et le samedi, on a GG Lapino et Akoura, surtout avec les artistes d'Akpakpa. Et le dimanche, on a un artiste de la vallée de Bouébé qui se nomme Babassa, qualité Babassa. Je crois que c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Bon, cette fête, donc c'est Cotonou, je ne sais pas où est-ce que toi, si tu viens. Même si tu es du Kétou, ça te concerne. D'autant plus que tu vis à Cotonou, ça veut dire que cette fête te concerne. C'est pourquoi je te disais préalablement que ce n'est pas une fête communautaire. Parce que si on disait qu'une fête communautaire, ça concerne une communauté. Alors que Cotonou n'est pas. C'est tout le monde, toutes les communautés vivent à Cotonou. Presque tout le monde vit à Cotonou. C'est pourquoi bon, c'est une fête. Bon, on peut dire que c'est une fête qui concerne tout le Bénin. Parce que presque toutes les communautés du Bénin, eux tous, ils ont même quelqu'un qui vit à Cotonou. C'est-à-dire que cette fête, je ne peux pas dire que cette fête, c'est une fête communautaire. C'est une fête qui concerne tout le monde. Parce que quand tu prends Cotonou, là, on a presque toutes les communautés ici. Vous comprenez ça. Ce pain, je crois que ça se vend à 14 000 la pièce. La moitié à 7 000. Et bon, j'espère que quand les gens vont se rendre auprès des chefs de quartier, ils auront ces pains aussi. Il y a presque tous les chefs de quartier qui sont ici. Et bon, tu sais, c'est une fête inédite. Donc, c'est la première fois que, pour ne pas dire, c'est la première édition de la fête qu'on appelle la Akpakpa Cotonou. Et bon, on n'a jamais connu une fête qui a rassemblé tant de communautés ensemble. Parce que presque toutes les communautés veulent participer. Tout le monde participe. Et le message que je peux lancer à l'endroit des populations d'Akpakpa Cotonou, c'est qu'eux tous ont à sortir massivement pour se procurer du tissu, parce qu'avec le tissu, tu as droit à l'entrée, et ça va se dérouler sur le terrain Midombo. Et quand tu payes le tissu, tu as droit à un mets et une boisson gratuite. Parce que cette fête, bon, sa particularité, c'est une fête particulièrement sociale. Vous comprenez, c'est particulièrement sociale. C'est pourquoi on veut commencer cette fête sociale le jour de la fête même. Mon fils, Niawayo, François Farongo, Niaïde, Niaïmede, Zébri, Wa, mon pélo, Niaïo, Ciel, à papa, Kotomoukoué, Niaïo, mon tontilepo, Niaïo, mon pauvre Garaton, mon dodo, mon coréna, et tête, mon gado, mon coréna, parce que mes pipo, mon gâteau, le coco, 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 le et là, il a pas contrôlé les manuels. Où est-ce que nous avons dit 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 association nous avons dit que 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 nous avons ballon nous avons organisé tournoi et terrain de nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
Arrondissement, le nom de mon, et la chère à l'homme.